avec Los TV. Los TV. Bonjour et bienvenue sur Los TV. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est une émission particulière consacrée au dernier match de Ligue 2. Eh bien, la rencontre entre le Racing Club de Lens et le Football Club de Metz. Et pour l'occasion, eh bien, toute l'équipe et le dispositif de Los TV, eh bien, est situé à proximité du Stade Bollaert avec nos journalistes qu'on va pouvoir retrouver en duplex. Alors c'est vrai que pour l'occasion, eh bien, la montée en Ligue 1 n'est plus jouable pour le Racing Club de Lens suite à la défaite face au Paris FC à domicile, mais il n'empêche que ce match, eh bien, se joue à guichet fermé devant plus de 30 000 supporters lensois. Alors d'ailleurs, je vais donc, eh bien, essayer de tâter l'ambiance qu'il y a actuellement près du Stade Bollaert en rejoignant, eh bien, en duplex Marie-Christine qui, je crois, se situe aux abords du Stade Bollaert sur le parking. Alors Marie-Christine, comment est l'ambiance juste avant cette rencontre? Cambrai, Albert, Merlimont, Arras, ils sont tous derrière moi, ils font du bruit! Ils sont bientôt prêts pour rentrer dans le stade et ils font du bruit! En tout cas, pour ce dernier match, ils sont là et ils font du bruit! Une super ambiance! Voilà. On est là! Oui, bon, bah alors. Donc, là, on peut vous dire qu'ils sont là, en tout cas, avec nous et avec le Racing Club de Lens. Et voilà, eh bien, je vois que vous êtes dans l'ambiance, Marie-Christine. Peut-être profitez-en justement pour prendre une petite frite à la friterie sans sas avec une petite bière juste avant le match, puisque c'est toujours aussi l'occasion, eh bien, d'une véritable fête. Hein. Le dernier match du championnat, c'est toujours intéressant. Et justement, j'en profite puisque nous avons notre autre journaliste qui est présent sur le parking près des bus, cette fois-ci pour l'arrivée des supporters. Et il s'agit d'Alain. Il va pouvoir certainement, eh bien, nous donner, eh bien, quelques interviews de supporters qui viennent d'arriver sur le parking du Stade Bollaert. Alain, vous me recevez? Oui Mathieu, eh bien effectivement je me trouve ici sur le parking du Racing Club de Lens, ici à Bollaert, où l'ambiance est en train de monter avant ce dernier match de la saison, cette 38e journée de championnat, et je me trouve actuellement ici sur le parking avec le petit, comment tu t'appelles? Mathias. Alors Mathias, déjà une figure bien connue dans la tribune Marek, puisque tu te trouves au centre de la tribune avec les musiciens à chaque match, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu viens ici au Stade Bollaert dans Tribune Marek? Depuis cette année, depuis le début de la saison. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as quel âge déjà? 12 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'à 12 ans, on est déjà avec les plus grands, avec les anciens de la famille du Racing Club de Lens? Déjà que c'est mon père qui m'a transmis la passion. Après, c'est venu de père en fils et j'espère que ça a continué. Et j'ai tout le temps aimé Lens, ça, c'est RS3, Lens soit toujours. Hein. Et le fait de jouer du tambour, de la musique, c'est quelque chose qui t'intéresse? Quelque chose qui m'intéresse parce que les autres, déjà ça met de l'ambiance, comme vous pouvez le voir derrière. Alors ouais, ça me plaît. Voilà, donc tu crois que ce soir, quel est ton pronostic pour le match de ce soir contre le Racing Club de Lens contre Metz? Pronostic de 3-1, 3-1 serait beau. Alors ça va être la fête ce soir en tribune Marek et dans le stade? Ouais, ça va être une grosse ambiance, je le pense. Voilà, donc c'est le petit Mathieu de la section donc de l'excellence qui nous joue encore un petit peu de tambour. Et merci Alain, toujours aussi sympathique justement d'avoir, eh bien, les réactions des supporters juste avant le match. Ouais, on souhaite naturellement une victoire pour bien finir cette saison. C'est vrai, hein, comme je l'ai dit en début d'émission, il n'y a plus l'enjeu de monter en Ligue 1, mais la dernière journée de championnat, quand ça finit en plus chez nous au Stade Félix Bollaert, c'est toujours une belle manifestation, une belle fête sportive à vivre. Et justement, ça ne va pas vraiment se terminer puisque juste après, on va changer les couleurs, le rouge et jaune pour le bleu, blanc, rouge. Allez, les bleus naturellement puisque ce sera l'Euro 2016, une sacrée saison sportive qui s'annonce, et toute l'équipe de Lost TV, on sera aussi présent, hein, pour suivre, eh bien, l'Euro 2016 et encourager notre équipe de France. Et moi, je termine assez rapidement, c'est vrai aussi ma conclusion, puisque je me dirige moi-même aussi au stade Félix Bollaert
suivre le match. Ça va, je suis à côté. On est actuellement au studio de Los Angeles. J'ai une petite route. Je me dirige maintenant au stade Bollard. Je prépare. Voilà, bah, je vais en profiter pour mettre mon bonnet, mon écharpe. Et de ce pas, je m'en vais en tribune. Allez, encourager nos 100 et or. Allez, à bientôt sur le STV. J'enlève mon micro parce que je ne vais pas pouvoir me sauver. Allez, à bientôt sur le STV.